Bonsoir. Appuyez sur une touche pour faire disparaître ce message. Donc, bonsoir, bon 14 février, soir de la Saint-Valentin. Deuxième live que je fais ce soir. Vous vous dites, il fait des lives de la Saint-Valentin, mais oui, mais la Saint-Valentin peut avoir plusieurs aspects et ça dure 24 heures et j'ai le temps de jouer. Donc, nouvelle partie. Je suis sur Jurassic World Aftermath Collection qui est en vente en ce moment sur le PlayStation Store. Je l'ai payé 15$ canadiens. Ça fait longtemps qu'il m'intéresse. Et donc, on va le découvrir ensemble. Bon, moi, je veux du smooth turning. Cliquez pour s'accroupir. Comme ça. Ok. Sprinter. Comme ça. Ah, ok. Sous-titres. Oui. Ben. C'est supposé. Ah. Langue française. Je sais pas. Paramètres de confort. Les mouvements. Orientation tête ou main? Tête, je pense. Accélération. Oui. 8 directions, 4 directions. Je sais pas. La vignette, j'en veux pas. Se tourner fluide. Comme ça. Intermédiaire. Ah oui, ça, j'aime ça. Rapide. Trop rapide. Ok, intermédiaire pour moi. Préférence main, je suis mouvement de la main gauche, mais main dominante droite. Ok. Donc, retour. Commencer. Fait que c'est ça les graphiques. Ça fait depuis la sortie du jeu que je veux l'essayer, puis. Les gens en parlent comme si c'était pas très bon comme jeu. Ben, tu sais que c'est... La question des graphiques là, qui dérangent les gens. Mais moi, honnêtement, je regarde ça pis c'est super beau, c'est clean, c'est... Tu sais, quand on pense à The Walking Dead, Saints and Sinners, c'est cartoonesque aussi, là, c'est... Je vais appuyer ici. Mais tout est... Y a rien de flou, tout est beau. J'aime vraiment... Et moi, si un jeu est bon, qu'il soit en mode cartoon... Ça me dérange pas bien, bien. C'est sûr que je préfère toujours le réalisme. Hello? Hey Sam, it's Mia. Great timing. I just wanted to check in before landing. You met the pilots, right? Say hello. Hello. Hey, I'm Carlos. You're right back there. Come on, do not distract me. Sorry we didn't get a chance to speak at the jetty. And for the, Oh, la vibration dans le casque. Ça vibre quand il y a des turbulences. Isla Nublar. Ça? Perfect, that's attached. That camera's connected to my tablet. It's like looking straight through your eyes. Ok. Oh, that cabin. Juan, I thought you fixed that door. I did. I found the handle. Okay, Sam. We'll be descending low over the NMS center and landing at the north dock. Should be minimal surf. You and I will take a dinghy to the Ranger Depot while Carlos and Juan refuel. And don't be alone. Our pilot respectfully reminds us that Isla Nublar is still under quarantine. Oh, ça vibre, c'est le fun. We've got 1 hour to enter the lab and recover the genome. Mia. Once the dinghy's loaded, it's straight back for takeoff, scheduled no later than. Mia. What? Look, they're huge. Oh, pterodactyle.
Oh, ça vibre dans le casque, c'est vraiment le fun. Oh, ils sont là. Il va toucher à ses griffes. Quand il y a des turbulences, ça vibre dans le casque, c'est fou. Oh. C'est vide. Oh. Ça vibre partout. Comme subir un massage des mains, là, ça vibre en tabarouette. Je pense que c'est le jeu qui vibre le plus que j'ai vu jusqu'à date, ou en tout cas, un de ceux qui vibre le plus. Oui, je suis vivant. T-Rex. Oh mon Dieu. C'est les vibrations qui font tout le jeu. Je sens que ça va vider mes manettes assez rapidement. Le gars va se faire bouffer. Man, comment je peux sortir? Oups, oupsie. Hello. Vibre, c'est fou! Oh, le casque! Quand l'image... Je sais pas si vous voyez bien quand ça tremble. Quand l'image tremble, c'est... Dans le casque, c'est complètement fou comment ça vibre. Oh, super! En fait, je suis plus familier que les vieux films, la vieille trilogie, mais... Parce que le Jurassic World, j'ai juste vu le premier, en fait. Creation Lab. Residence. Je mentirais pas qu'il y a... Il y a un effet de brouillard, un peu. Mais je pense que c'est voulu pour cette section du jeu. J'aime bien le brontosaure. Mais... Donc, quand je m'approche des textures comme ça, c'est très, très beau. C'est pas flou. Dinosaure est très beau. Zone des transports. Il y a un petit dinosaure là. Est-ce qu'ils sont dangereux? Je pense pas. Oh, il y en a un tout petit là. Il monte le chemin, je pense. Est-ce que je dois faire attention ici? Parce que dans le fond, c'est un jeu, si vous n'avez pas rien vu de ça, ce jeu-là, c'est un jeu de... comment est-ce qu'on dit ça? Discrétion, de stealth. Et un peu comme les Assassin's Creed et tout ça, il faut... Assassin's Creed, ça dépend de ton type de jeu. Tandis que lui, je pense que j'aurais pas le choix d'être discret. Donc, il faut vraiment que je fasse très attention à ne pas me faire repérer par les différents dinosaures. Dont les vélociraptors, entre autres.
Oups, il y en avait un juste là. Est-ce qu'il va revenir? Puis on dit que c'est un jeu que où les sons sont très importants. On les entend en audio 3D, on a les vibrations, on a tout ça. J'ai pu tester les vibrations, là, c'est complètement fou. C'est un des jeux qui m'impressionne le plus au niveau des vibrations. J'ai dans l'avion tout à l'heure, durant les turbulences, ça vibre dans le casque, là. Mais c'était le fun. Pour l'instant, ça va. Je pense que c'est un genre de, pas un tutoriel, mais je suis pas supposé me faire attaquer, je pense, ici. Là, faut que je joue avec la switch qui est ici pour ouvrir la porte. Logiquement. Et que je sorte probablement avec ma main. Ouais. Ça, j'ai vu des images en ligne. Mais j'ai pas regardé de deuxième trophée. J'ai pas regardé de walkthrough. C'est là-bas. J'ai trouvé. Puis là, je mets le breaker, puis ça va ouvrir plein de portes que je ne veux pas ouvrir. Parce que ça va libérer des dinosaures. On the wall. See that map? The NMS center is split into sections. Zone A is residence and corporate. Ignore it. Zone D and E are the labs. That's my life's work. But it's not the priority anymore, so forget it. We'll forget that for now. That leaves B and C. Is my wife? No. There's a radio tower above the ranger station. We want to call for help. That's our best bet. Head back to the breaker and activate transport. It's gonna be tough keeping this place locked down. There's not much power. Last thing, the center's massive. So you'll want a nav assist. Check the storeroom. Storeroom. Là-bas. Non, c'est peut-être pas ça. C'était peut-être là-bas. Storeroom. Peut-être que je l'ai passé aussi. Là-bas par là. J'entends mon cœur quand je résidence. Storeroom. Ça, c'est plus c'est la résidence. Oh, une petite table tournante. C'est pas le temps.
Il n'y a rien ici. Breaker room. Safety first. Ça, c'est le menu. Storeroom. La map, c'est que le point rouge chez moi. Mais là-dedans, le breaker room, puis cet endroit-là, c'est où sur la map? Je sais pas. Je peux pas ressortir. Bon, c'est con, je suis bloqué dès le départ. J'arrive pas à trouver ce qui me manque. Logiquement, le storeroom, c'est ici. C'est ici qu'on range des choses. Il n'y a rien à gripper. Puis là, ben, dans la chaîne d'événements, j'étais rendu par ici. Ça, je peux-tu l'ouvrir, ça? Que ça me prend pour l'ouvrir. Résistance, génome, corporate, vault, chambre forte, safety first. Les faux outils. J'ai rien sur moi. Je sais plus quoi faire. Je peux même plus la reprendre. Ok. Pourquoi je suis bloqué? Il y en a partout. Je peux rien toucher, je peux rien prendre là-dedans. Non. L'ordinateur, chaise, la plante,
livres, les disques. Casquette, de l'eau. Puis, je dirais que je peux pas ressortir. C'est bizarre. Quelqu'un qui a déjà joué, non? Quelqu'un qui regarde qui a déjà joué? Déjà besoin d'une solution. Où je vais? C'est où le storage room? B, c'est transport. C, le transport aussi. Là, il n'y a rien. Storage room, entreposage. Ici, on entrepose des choses. Pas de manuel d'instruction, il n'y a pas de. Parce que j'ai rien sur moi, j'ai pas de carte pour entrer là. Mon index me sert pas à passer là. L'ordinateur, tout ça sert à rien, c'est juste du décor. Il n'y a rien que je peux bouger. Je peux rentrer ma main ici, mais y a rien. Ça, c'est de l'entreposage, mais j'entends des sons électroniques. Damn it! Work! J'avais même pas remarqué les caméras. Ah, c'est de l'entreposage. J'ai l'impression qu'il faut que je sorte par là. Ça a ouvert la porte. Ben, la porte est déjà ouverte, mais pourquoi ma main ne fonctionne pas?
pas que je rentre ma main dedans, ça c'est un défaut du jeu. Ben voyons. C'est étrange. Yes, that's it. Attach it to your wrist. Check the arrow on the back of your hand. It'll point wherever you need to be. Okay, when you're ready, head to the atrium and follow the signs. Bon. Transport, then ranger station. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais je vais jouer pendant. Je vais jouer pendant à peu près une heure au total, une heure et quart peut-être. Tantôt, je vais les voir en vrai. Oups. Théodactyle. Ah, oh, c'est cool. Non, ce sentiment d'immersion est là malgré le côté BD des graphiques. Là, on est quand même. On se croit, on s'y sent, on sent qu'on est là. C'est quoi un ascenseur? Faut que j'attende? Oh, j'allais par là. Il n'est pas assez solide, mon cas. Il n'est pas assez attaché serré, je veux dire. Ça, je le replace souvent. Suivre les lumières vertes. Je sais qu'à un moment donné, le jeu devient une partie de cache-cache avec les dinosaures. Il faut choisir. Sur mes gardes. Je vais aller par là-bas. Je vais quand même aller ouvrir là. Ça, c'est des places où je peux me cacher? Oui, ok, je comprends. Est-ce qu'il y a des dinosaures? Bon, de savoir que ces boîtes-là sont là en ce moment,
Ça m'inquiète un peu, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des dinosaures à tout moment. Ça, c'est des cachettes aussi pour se cacher debout. Que j'avais pas remarqué. Ok. Bon, là, je vais pouvoir me cacher en dessous. Attends, ils sont pas encore là. Ça va venir bientôt. Oh. Station de recharge, la station des Rangers. Il y a quelque chose. C'est des gouttes ça qui tombent ou c'est quelque chose à ramasser? Juste vérifier dans mon menu quelque chose. Ce sera pas long. Ok. Juste vérifier ma position par rapport à la caméra. Ça veut dire que je suis un petit peu trop tourné. Non, je suis comme ça. Ok, ça va. Merci aux gens qui regardent. Je sais que j'ai des gens qui regardent live. Je vous remercie d'être là. En ce moment, il est 20h44, heure du Québec. Et de l'Ontario. Je suis en Ontario, ça je mentionne. Je vais m'arrêter dans une demi-heure environ. Peu importe où je suis rendu dans le jeu. Non, honnêtement, j'ai pas de difficulté avec les graphiques. Comme j'ai dit, c'est une des plaintes, des complaintes des gens là, par rapport à ce jeu, mais non, moi j'ai pas de problème. Du café qui coule. Des magazines. Ça me prend quelque chose pour ouvrir. Mais je vais aller voir ici qu'est-ce qu'il y a. Il y a beaucoup de cachettes. On peut se cacher en dessous ici. On peut se cacher en dessous là. Ok, allons voir ailleurs. Ranger Station. Station du Ranger. Est-ce que t'as le code, mon ami? Non, tu peux pas me le dire. Une caméra là. Qu'est-ce que j'entends? J'aime pas ça. C'est ça que j'entends. Okay. Mais il y a beaucoup de sons, beaucoup de trucs stressants dans le casque.
Avec l'audio 3D, c'est. Les critiques l'avaient dit, j'ai regardé beaucoup de critiques avant de l'acheter, puis les gens disaient que l'intérêt de le gros du suspense de ce jeu-là vient des sons. Moi, je pensais que c'était le même bureau que tantôt, mais non, c'était un autre. En plus, j'entends les sons de ma conjointe à l'étage, ce qui est tout aussi stressant. Juste par le fait que c'est des sons, pas ma conjointe qui est stressante. Ok. Ascenseur. Ça, j'aime moins ça un peu les fondus. Ça sort un peu de l'immersion. Dépôt nord, mais quoi? Qu'est-ce que tu veux que je vois? Hey, vous me stressez là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai manqué? Des signes que quelqu'un s'est fait attaquer, oui. Oups. Combs Tower. Je vais dans la bonne direction. Où ça? Ah, j'aurais dû passer derrière elle. Est-ce qu'on va avoir un pattern là? Elle est tournée vers où là? Elle fait encore dos. L'idée c'est que je peux la. Lui échapper, celle-là doit être assez facile. T'avances-tu plus un peu? Je vais pas passer sous ta queue. Ok. Je voudrais peut-être aller par là.
Ouais, je pense que c'est par là que je vais. Doucement. T'es tourné par où là? Je pense qu'elle. Ouf, j'ai. Comms Tower, c'est par là. Mais il y a ça là, que je pourrais utiliser. Et je vais passer par là, je pense. Recommence. Le nom du trophée, c'était Vous n'avez pas dit le mot magique. Bête là qui s'en vient. Pas ici, là. J'avais la tête rouge, ça veut-tu dire qu'il m'a vu? C'est ça, que je me rappelais plus.
Prochain coup, je vais essayer. Au pire, je vais juste mourir, là. Faut que je l'essaie un jour. Attends une seconde, je regarde dehors. J'ai jamais vu ça, moi, des dinosaures. Tournez la molette afin de supprimer l'interférence. Antenna controls. Ah, là. You want to realign the rooftop satellite to the main array. It can't be that hard, right? Just move things. Bouge les choses. Your nemesis. Then go quietly.
Ça vibre vraiment beaucoup. Ça en est un, ça. Qu'est-ce que je peux utiliser? Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser là-bas? Okay. Espérer qu'elle passe sans me voir. J'aurais dû me cacher dans la boîte qui est là. Je suis tout proche. Je l'entends marcher de l'autre côté. Je vais aller là. Ça, c'en est. Non, c'est un micro-ondes, ça. Ah, il est là-bas. Ok. Et là, il s'en vient. Je l'entends derrière moi. Juste derrière l'eau, derrière le mur. Vraiment tout près. Il est vu. Okay. Quand j'ai fini ça, je vais me diriger tout de suite vers le air vent. Il m'a pas vu. Ok, puis là je sais plus où aller. Par là, il n'y avait rien d'autre.
juste là. Sûrement possible de l'attirer quelque part. C'est quoi son pattern? Est-ce qu'elle reste juste de l'autre côté des... Ouais, ok. L'autre côté des boîtes. Oh, elle rentre en bâtisse aussi, ok. Ok. Elle est stressante. Fallait que je le voie. Dispatch office. Faut vraiment pas marcher vite. Je l'entends s'en venir. Là, je pense. Non. C'est un petit peu stressant, mais l'aspect cartoon rend ça moins pire un peu.
c'est pas ici. Et le truc pour s'en sortir, c'est de mourir. C'est plus facile de revenir au bureau après. NMS Projects Review, July 10th, 2012. Attendance, Dr. Henry Wu and... Oh, Amelia Everett, computational genomicist. Sorry. Under Dr. Mashir, you're mapping the Velociraptor genome. Tell me about that. Finished, as of this week. Proceeding with protein isolation and live trials. We recently hatched a subject with elevated mesotocin, the social hormone. The AV tests are going well. She's responding to conditioning? Yeah. Yes. So far. Interesting. Forget Dr. Mashir. From now on, you report directly to me. Seriously? I mean, yes, doctor. You know, you're nothing like I imagined. I just know talent when I see it. Wow. Sounds so... How are we looking? Offline? How can... There's no fixing that. If the island tower's down, no matter what we do... Get back to the atrium. I'll think of something. Hey. C'était pas du tout par ici. Oh, attends. Non, ce qui va arriver, c'est que je vais terminer ici mon live, puis je vais revenir dans le jeu très bientôt. Je vais le faire tout live au complet, le jeu, fait que vous ne manquerez aucun moment. Et je voulais juste mentionner aussi que samedi, qui s'en vient dans 3 jours, je vais faire comme j'ai fait dans les dernières semaines, c'est-à-dire jouer live un samedi après-midi. Pour moi, c'est l'après-midi. Si vous êtes en France, vous le voyez le soir. Mais en gros, ce que je vais faire, c'est cette semaine, ça va être commencer le jeu Propagation, Paradise Hotel, qui est en vente en ce moment depuis ce matin, si je ne me trompe pas, sur le PlayStation Store. On m'en a parlé beaucoup en bien, et sûrement que je vais me faire pipi dessus. Donc, c'est ça, on va voir. Mais ça risque d'être assez stressant. Donc, Propagation, Paradise Hotel, ce samedi, je vais jouer ici live pour la première fois. J'ai absolument pas démarrer le jeu. Je vais le démarrer en même temps qu'on va partir le live. Donc là-dessus, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.